bien parce que moi je me porte très bien. Se préparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó. En 10 ans, on est là, on est là. Et en fait, ça passait les fêtes. Il y a eu un retard avec l'atelier de la Grèce par rapport à l'emploi du temps des élèves. Cela ne nous permettait pas de venir travailler. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des enfants qui aiment faire de la violence envers les autres, qui aiment pour rien se battre. Qu'en pensez-vous? Vu que le casting a eu lieu en octobre, déjà quand on voit tous ces mois, de novembre à février, il y a beaucoup de notions qui ont échappé de leur tête. Donc on était obligé de recommencer encore afin de leur rappeler certaines choses, certaines notions de base. Voilà. Bon, les enfants qui sont bébés noirs, on fait comme ça, hein? Voilà. Et je vais pas avaler ça comme ça. Les enfants qui sont bébés noirs, bon. Je ne saurais vous répondre avec exactitude parce que... C'est bien parce que la présentatrice avait encore certaines choses en tête. On a retravaillé, on a redonné le rôle de tout un chacun par rapport au reporter. Mais quand tu dis, tu es là. Bonjour mes chers spectateurs, qu'est-ce qu'on va dire? Les spectateurs, c'est le tableau. Et c'est les spectateurs, c'est ceux qui te suivent. Moi, c'est Sarambo Marjolaine. Je fais la quatrième à la grande école, la Grecque. Aujourd'hui, on a fait notre premier atelier. Dans cet atelier, Monsieur Justice nous a expliqué... Attends, silence! Justice, le caméraman, a posé la question aux membres de l'administration. Mais monsieur, dites-moi, quelle magie vous faites de rester durant toute une année avec ses élèves, leur bruit et tout ça, tout ce qu'ils font là? Comment vous pouvez faire pour supporter ça? Et le souverain l'a répondu, bah c'est simple, c'est l'habitude. Et vous, quand vous allez vous habituer, vous verrez qu'il y a un moment, quand ils seront tellement calmes, vous trouvez qu'ils sont timides. Faut vraiment avoir une tête et un gros cœur comme moi pour pouvoir travailler avec ses élèves, pas être méchant comme Justice. On a eu notre premier atelier, on nous a montré comment on se comporte devant un plateau, quels sont nos rôles devant un plateau, ce qu'on devrait sur un plateau, ce qu'on devrait faire, comment se comporter. On nous a appris plusieurs choses comme comment diriger une enquête et comment tenir un micro. Plusieurs choses, c'est beaucoup. Bon, prenez conseil et écoutez. C'est la fin de l'émission, on se revoit demain. Comment on t'appelle? Je m'appelle Isabella. Ah, je t'appelle pas, on t'appelle. Tu ne t'appelles pas, mais on t'appelle. Les conseils que vous avez donnés, si vous avez dit ça est vrai. Je remarque aussi que je m'appelle Ibarra Emma Josette. Je suis Mpinou Salomon Fortuné. Je suis de la classe de 4e. Dans cet atelier, je joue le rôle de R3, c'est-à-dire reporter numéro 3. Et je suis censée interviewer l'administration. J'ai retenu comment interviewer des personnes, comment discuter. Monsieur nous a appris comment prononcer des mots devant la caméra, comment poser des questions, comment jouer nos rôles dans cette émission.
Cet atelier s'est très bien déroulé parce que ces élèves sont quand même assez brillants. J'en ai vu des élèves assez remarquables.